Good morgen, allez, Idan et Susra, aujourd'hui le Lunishmat, Richaron Ben Fortune Mazal, Claude, Israq Ben Fortune Mazal, Dan Myriam, Bat, Elisa, Sayak et René Avraham Ben Mordechai. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Souka, Erek Gimel, Mishnah Yud Bet Brishona, Ayal Olav Nital Bamigdash Shiva, Uva Medina Yom Echad, Mishecharav Bet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan Mazakai, Sheyel Olav Nital Bamedina Shiva, Zecher Lamigdash, Vesheye Yom Henef Kulo Aso. On va s'intéresser à présent à découvrir combien, quel jour de Sukkot faut-il prendre le lulav. La Mishnah me dit Barishona yelulav nital bamigdash shiva ou va medina yom echad. Au début, dans un temps premier, à l'époque du Beth Amigdash, le lulav, ayalulav nital, lulav était pris, bamigdash, au Beth Amigdash même, shiva, pendant 7 jours. Tandis que uba medina yom echad, dans le pays, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, dans le reste du pays, on ne le prenait que le premier jour. Si vous faites attention dans le passage qui a écrit le Kartem Lachem, Bayom Arishon, Priyat Sadar, Kapot Marim, Anafet Savot, Varvinachal. Et après, le passage qui va nous dire Usmartem, Lifne Hashem, soit, le Kartem Lachem, Bayom Arishon, vous prendrez le premier jour, le premier jour, que le premier jour. Et après, la Torah me dit Usmartem, Lifne Hashem, Shivat Yamim. Vous vous réjouirez devant Hachem pendant 7 jours. Alors il y a un petit problème dans le pasouk, tu me dis de prendre le lulav pendant, pour le premier jour, et de me réjouir avec le lulav pendant 7 jours. Au sens simple, on se rapporte avec le lulav. Du coup, ça s'explique comme ça. Ulkartem lachem bayom arishon, partout où vous êtes. Là où vous êtes, vous prendrez le premier jour le lulav. Par contre, avec le lulav, on continuerait au smartem, l'ifne Hachem, devant Hachem, c'est vous qu'on est devant Hachem, au Beth Amikdash. De là, on apprend la mitzvah très jolie du lulav, que minatora, on le prend que dans, que le premier jour, de partout. Sauf au Beth Amikdash, sur la mitzvah de la Torah, elle sera pendant les 7 jours. D'accord? Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Par contre, mishecharav Beth Amikdash, depuis l'époque où le Beth Amikdash a été détruit. Donc, il n'y a plus la mitzvah du lulav pendant 7 jours. Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Sheye lulav nital bam medina shiva. Il a instauré Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le Tana à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, qui s'est soucié d'instaurer plein de choses dans le peuple pour leur remonter le moral, pour les préparer à traverser la galoute sans se perdre de trop. Il a fait plein de takanot, Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a instauré que chez Yelulav Nital Ba Medina Shiva, il a instauré que même de partout, dans tous les endroits, Ba Medina dans le pays, eh bien on prendra le Lulav pendant 7 jours. Mais des Rabbanan, le premier jour c'est de Raita, et les 6 autres jours ce sont que des Rabbanan. Zecher la Migdash, en souvenir du Bet HaMigdash. La Gemara rapporte qu'il y a une mitzvah de faire Tzion Hi Doresh Enla, il y a une mitzvah d'être Doresh Tzion. Il faut envier, désirer revoir le Beth Amikdash en exprimant par des actions, en faisant des actions semblables à celles qu'on faisait au Beth Amikdash, d'où le devoir de faire des souvenirs du Beth Amikdash, en l'occurrence cette mitzvah. Il y a toute une liste de choses que Rabbi Yochanan ben Zakkai a instaurées. Là, dans la Mishnah, on a proposé un premier déjà, et même un deuxième, c'est Veshaye Yom Henef Kulo Asur. Là, on parle d'un tout autre sujet, on parle du Henef. Le jour où on balance, de quoi on balance l'orge à Pessah, il sera interdit toute la journée. Je laisse ça de côté pour le moment, et d'abord, j'apporte quelques petites précisions. Il s'avère que maintenant, il y a une différence fondamentale entre le premier jour à notre époque, le premier jour de Sukkot, on accomplit la mitzvah de la Torah avec le lulav, et les 6 autres jours qui ne seront que midera banan, par ordre rabbinique. Il y aura quelques différences quant à au niveau de rigueur des halakhot, comment le choisir là-bas, à minimum. Il faudra certes des fruits près de Sadar, mais il y aura toutes sortes de coulottes qu'on évoquera dans la prochaine Mishnah. On fera un petit peu on évoquera quelques petites notions à la fin de la prochaine Mishnah, justement, pour expliquer la différence entre le lulav du premier jour et le lulav des 6 autres jours. Par rapport à la dernière partie de la Mishnah, le Yom Henef Kulo Asur. À l'époque du Beth Amikdash, d'abord toujours, même à notre époque aussi, on va peut-être faire un petit peu d'ordre. Là, l'hiver, on va planter du blé. Va arriver le printemps, le blé va pousser. Il y a un interdit de la Torah de manger la nouvelle récolte de blé
Jusqu'à quel jour? Jusqu'au deuxième jour de Soukhot, le jour où on faisait le Korban à Omer. C'est un interdit qui est en vigueur même aujourd'hui et même en Chutz Laaretz. Les gens ne le savent pas, et de toute façon on n'est en général pas tellement confronté, mais on peut se retrouver confronté quand on va dans l'hémisphère sud. On n'est pas tellement confronté parce qu'en général, le blé qui va pousser maintenant, il va se retrouver en épi, et on ne va pas se mettre à le manger à la fin de l'été, à la fin du printemps, on aura encore le temps jusqu'à qu'on va le manger, qu'on va le sécher, qu'on va le transformer en, farine. On n'est pas tellement confronté. Bien que c'était fréquent en Russie, il y a des les shootings, ils en parlent beaucoup, le bar, il en parle, le chomrot et tout ça. Ils se retrouvaient avec du blé, je ne sais pas exactement comment, mais du blé qui avait commencé à s'enraciner après, donc l'année agricole, l'espace de Pessah jusqu'à Pessah. Spécialement pour ça, quoi. Il faut tout simplement que ton blé, il soit au moins enraciné en terre, dans la terre, pour que le Pessah, pour que le jour du Homer qui va passer dessus, va permettre le Issour Hadash. Et sinon, si tu vas planter maintenant des graines tout de suite, elles vont éclore dans X temps, tu ne pourras pas les manger. Tu devras attendre nécessairement l'arrivée du prochain Korban à Homer. D'accord? C'est le Issour Hadash. Maintenant, il y a une différence essentielle entre l'époque du Beth Amikdash et notre époque. À l'époque du Beth Amikdash, alors, il fallait offrir le Homer, faire le rituel du Homer, et dès qu'on avait fini le rituel du Homer, on avait le droit de manger. Soit, on a la nouvelle récolte, interdite de consommer, au Beth Amikdash, à 8h, 9h, 10h du matin, on a fini de faire le Korban Homer, dès lors, 10h01, on peut commencer à faire des moufletards, on est pendant Pessah, mais d'accord, on peut commencer à faire des matzot avec la farine si on veut. Ça, c'est pour l'époque du Beth Amikdash. À notre époque, Minatora, puisqu'il n'y a plus de Korban à Omer, le soleil se lève, le soleil du matin du 16, tu as le droit de manger. Seulement, on craint quelque chose. Il y a une crainte très importante que, finalement, on va se mettre à manger au petit déjeuner des bonnes matzot toutes fraîches le 16 avec la nouvelle récolte. Les gens, ils vont retenir, ah, à 8h du matin, à Pessah, le deuxième jour de Pessah, donc le jour du Homer, à 8h du matin, on a mangé du matzah toute fraîche. L'année prochaine, Bezant Hachem, le Beth Amikdash, il va être construit. Et maintenant, le Korban à Homer, il va être offert qu'à 10h du matin. Votre fils qui vous a vu cette année manger à 8h du matin des matzahs toutes fraîches, l'année prochaine, il va dire, ah, l'année dernière, on a aussi mangé des matzahs à 8h du matin. Mais l'année prochaine, il n'aura plus le droit de les manger à 8h du matin. Parce qu'on aura le Beth Amikdash reconstruit. Et puis, il faudra attendre que le Korban Omer soit fini à 10h du matin pour voir commencer à manger les matzot. À cause de cette crainte, Rachamim m'ont dit, toute la journée du 16 à notre époque, elle est interdite à la consommation, du 16 Nissan, toute la journée du premier jour du Omer, interdite jusqu'à la tombée de la nuit. Tombée de la nuit, tu pourras enfin commencer à manger le Hadash. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine d'Atzlacha. Kol Tov, Salam.